Je travaille.
Rebonjour à tous. J'espère que vous allez toujours bien. C'est un plaisir pour moi de vous présenter Catherine. Catherine. Bonjour. Donc, la violence technologique, merci d'avoir pris le temps en fait de vous présenter aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas nécessairement le sujet qu'on vous ferait le plus, qu'on s'attendrait le plus à voir dans un truc comme l'ANCFES, mais je vous promets que ça a un lien avec notre travail justement, puis que c'est un sujet qui est super important pour notre industrie, je pense, et à laquelle on devrait s'intéresser en tant que professionnel en cybersécurité. Je commence par me présenter un peu. Donc oui, je m'appelle Catherine, mais à part ça, qui suis-je puis pourquoi est-ce que je suis en avant aujourd'hui? Pour commencer, moi, je suis quelqu'un qui a un background en marketing à la base, communication. Puis, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tannée de faire partie du problème, puis j'ai décidé de faire partie de la solution, puis c'est comme ça que je me suis ramassée en cybersécurité. D'abord à Radio-Canada. Mon travail à Radio-Canada, en fait, c'est de supporter les journalistes, entre autres quand ils allaient dans des zones de guerre, des zones hostiles, on appelle, pour se protéger justement contre la violence étatique technologique. Puis, ça a un rapport avec comment qu'on aide les victimes de violences conjugales et de violences technologiques à se protéger parce qu'en fait, ces violences étatiques, violences d'un conjoint qui met des logiciels d'espion sur ton téléphone, il y a beaucoup de similarités dans les méthodes de protection qu'on va y mettre. Maintenant, j'ai été co-autrice d'un livre qui s'appelle « On vous trompe ». D'ailleurs, l'an passé, j'avais présenté à ACFES une conférence sur la désinformation en ligne. C'est un sujet un peu plus léger, un peu plus le fun. Je peux faire des jokes de aliens qui contrôlent le monde. Aujourd'hui, c'est un sujet un peu plus sérieux. Il va y avoir moins de blagues, malheureusement. Puis sinon, je suis cofondatrice d'une association qui s'appelle Cybercitoyens, qui est justement dédiée à la mission de vulgariser la cybersécurité pour le grand public. On a trois volets à Cybercitoyens. Un qui est basé vraiment là sur, on a un balado que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Cybercitoyens. On crée du contenu qui est accessible, puis on fait des formations, puis de la prise en charge de gens qui sont victimes de fraude en ligne, par exemple, ou de violences technologiques, comme je vais vous parler plus tard aujourd'hui. Donc, on va élaborer justement les protocoles qu'on met en place pour aider les gens. On a aussi un volet là où est-ce qu'on va aider les entreprises, par exemple. Puis, bien, ça, c'est le volet qui finance nos activités pour le reste du temps. Donc, vite, vite, c'est quoi l'ordre du jour aujourd'hui? Mais pour commencer, je vais vous parler du phénomène. Donc, je vais vous définir c'est quoi la violence technologique, puis pourquoi c'est aussi gros comme sujet. Je vais vous jaser un peu des études de cas qui sont bien entendu anonymisées, des choses que nous, on a vues là, en aidant les victimes de violences conjugales. On va jaser des bonnes pratiques d'intervention si jamais ça vous tente justement de voir comment qu'on peut aider. Ensuite, je vais parler un peu de l'aspect légal de tout ça. Gros disclaimer, je ne suis pas avocate, donc bien entendu, c'est les trucs, les lignes directrices que nous, on a eues d'un avocat. Mais je ne suis pas non plus avocate, donc ne prenez pas ça pour du cash, légal, etc. Et puis, on va regarder un peu les outils, puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place peut-être comme communauté pour justement soutenir les gens qui sont victimes de violences technologiques. Donc, je prends mon souffle, je m'excuse, je sais que je parle vite, je suis stressée de vous parler aujourd'hui. Donc, c'est un problème qui est omniprésent. Il y a beaucoup de statistiques sur le sujet. D'ailleurs, Citizen Labs avait fait un rapport là, super intéressant sur le sujet, si ça vous tente d'aller le lire. Puis là-dedans, en fait, on apprenait que justement, il y a environ 71% des abuseurs qui vont surveiller les activités de leurs victimes en ligne. Ce qu'on veut dire par ça peut aller de simplement là, de se connecter sur le Facebook de la personne parce qu'il est ouvert sur l'ordinateur de la cuisine, ou à des choses un peu plus là, sombres, comme par exemple installer des logiciels d'espionnage. On sait en fait qu'au Canada, les chiffres qu'on a, c'est que 34% des abuseurs vont installer des logiciels d'espionnage sur les téléphones de leurs victimes. On sait qu'il y a environ 40% qui vont espionner de plein de façons. Là. On parle de logiciels d'espionnage, mais ça peut être aussi d'utiliser des logiciels légitimes. Je vais vous parler de la différence dans pas très longtemps. Puis, on sait que dans un cadre d'abus de violence conjugale, jusqu'à 98% des gens vont utiliser la technologie d'une façon ou d'une autre pour commettre de la violence envers leurs victimes. Puis là, ça va aller jusque, par exemple, le harcèlement, ça peut être écrire des statuts là, hyper venimeux là, à leur sujet, faire de la diffamation en ligne, etc. Donc, à grand niveau, c'est 98% des situations de violence conjugale qui vont impliquer de la technologie à un certain point. C'est un challenge, surtout pour les refuges. En ce moment, il y a un enjeu là, au niveau justement de comment qu'on maintient la sécurité des gens quand ils essaient de s'en aller, justement. Alors que justement la technologie, elle est omniprésente, on a tous nos téléphones, on a nos petits tracking qui nous suit tout le temps. Puis, je vais faire un petit disclaimer vite vite aussi que dans la présentation pour alléger le texte, je vais utiliser les termes genrés, parce que la victime va souvent être au féminin et l'abuseur souvent au masculin. C'est pas parce que ça reflète 100% des situations.
on aide des hommes en situation de violence technologique aussi. C'est juste que dans la majorité des cas, donc, ça représente un peu cette dynamique-là pour plein de raisons qu'on va parler un peu, mais qu'on ne va pas nécessairement trop s'attarder non plus. Non, c'est quoi la violence technologique le plus précisément? C'est vraiment là, de suivre, espionner, accéder de façon qui n'est pas consentie aux données et aux appareils d'une personne dans le but de la manipuler, de lui faire du mal, de la suivre, etc. Généralement, quand on parle de cybercrime, il va y avoir deux volets, hein, le crime comme une, la technologie comme une cible ou la technologie comme un instrument. Dans le cas de la violence conjugale technologique, ça va être souvent les deux qui vont être un peu mixés ensemble. Ce qu'on regarde aussi, c'est qu'on peut inclure là, dans la violence technologique le revenge porn, entre autres, de tourmenter les gens de façon psychologique avec la technologie. Dans nos études de cas, je vais vous parler d'un psychologue aussi. Ce qu'on regarde, quand on parle justement avec des cybercliniques de criminalité ou encore des refuges qui ont besoin d'aide ou des avocats qui nous demandent des fois là, de les accompagner pour aider à sécuriser les réseaux sociaux, les courriels de la victime. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si la victime essaie de s'en aller, qu'elle communique avec son avocat puis que l'abuseur peut intercepter des courriels, il y a un enjeu de sécurité pour la personne. On se rend compte que le contrôle coercif qu'on appelle, donc la possibilité de contrôler quelqu'un d'une façon ou d'une autre, on peut se référer un peu au principe d'ingénierie sociale que je pense que tout le monde est un peu familier dans la pièce avec. C'est un peu ça le contrôle coercif, c'est une forme d'ingénierie sociale, mettons qu'on veut ramener ça à nos notions. Ce qu'on rend compte, c'est que ça devient de plus en plus difficile pour les victimes de s'en aller. Que ce soit là, parce que les plans de protection sont découverts par l'abuseur ou parce que la personne se sauve, mais il y avait un GPS qui était mis sur la voiture, donc la personne est suivie. Les refuges nous disent que justement, c'est un gros enjeu là, de comment est-ce qu'ils peuvent protéger les femmes une fois qu'elles arrivent au refuge. Parce que des fois, dans le sac à dos de l'enfant, il y a un AirTag qui a été caché, puis là, mais la personne se pointe au refuge qui est censée avoir une localisation secrète pour la protection de toutes les victimes qui s'y trouvent. Puis c'est vraiment un enjeu technologique auquel il faut se pencher. Tu sais, initialement, quand le AirTag, par exemple, était sorti sur le marché, il y avait bien des gens qui trouvaient ça super le fun. Puis il y avait quelques voix tout de suite qui s'élevaient puis qui mentionnaient que, attends, ça peut être utilisé de façon vraiment dangereuse et néfarieuse envers justement des victimes comme ça. Il faut regarder comment on peut protéger les gens dans un contexte de violence. Ça va jusqu'ici? Il y a un autre enjeu qu'on regarde, puis tu sais, ça, c'est pas un reproche que je fais, mais il y a un écart encore là, dans l'intérêt envers la technologie qu'on voit. C'est les garçons, quand on parle de jeunes enfants, qui sont plus intéressés par la technologie encore au-delà des femmes, puis ça a un impact sur la littératie numérique à long terme. Mamie, on a juste à regarder autour de nous, je pense, aujourd'hui, pour voir qu'il y a définitivement encore comme une imbalance au niveau de l'intérêt. Puis c'est pas la faute des gars, c'est à nous là, de s'intéresser pour plein de façons, mais c'est une réalité là, qu'on a sur, justement, cette situation-là. Puis ce qu'on se rend compte, quand on parle aux victimes, c'est qu'ils n'ont pas toujours donné accès à leur plateforme de façon non consentie initialement. Hein, il y a quand même une normalisation, si on veut, de la surveillance à un certain point. Hein. C'est quand t'aimes ton chum, tu laisses ton NIP de téléphone pour lui prouver qu'il peut te faire confiance. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de réflexe-là, en fait. Puis, il y a beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux qui mentionne que c'est oui, c'est normal là, d'avoir le code du téléphone de la personne à quitter ou de donner accès à ton appareil ou de partager des comptes, etc. Puis, ce qu'on regarde, c'est que souvent, quand les gens arrivent, des fois, le iCloud est partagé, les comptes Facebook sont partagés, puis c'était fait comme ça dans un temps où est-ce que ça allait bien, la relation, puis la personne ne se doutait pas qu'elle était en train de monter un piège autour d'elle-même, en fait, en acceptant ce genre de choses-là. Souvent, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que c'est monsieur qui va avoir seté tout l'environnement à la maison. On voit des fois des maisons domestiques là, vraiment là, hyper technologiques. C'est de la passion. Il y a des caméras, il y a des planchers chauffants contrôlés à distance. Toutes les TV sont connectées, etc. Puis, mais c'est pas madame qui a seté tout ça, c'est monsieur. Puis le monsieur est parti, puis il sort de cette domestique-là pour espionner son ex-conjointe. Malheureusement, il y a beaucoup de cas comme ça. Je vous dirais 80% des victimes qui nous contactent sont en panique parce que ça fait peut-être 10, 15, 20 ans qu'ils n'ont pas touché à leur compte, qu'ils ne se sont pas intéressés. C'est le chum qui a tout cété, c'est lui qui a les mots de passe. Puis bien là, il faut reprendre contrôle parce qu'il y a accès au compte bancaire, il y a accès à tout. Puis on essaie de débloquer, on essaie de mettre une limite entre les deux personnes. Fait que ça, c'est un enjeu en la littératie numérique. C'est un gros enjeu auquel nous, on se penche, sur lequel on se penche à Cybercitoyens. Puis on le voit là que c'est flagrant dans un contexte où est-ce que justement il y a une urgence d'agir. C'est peut-être évident pour nous là, de mettre des mots de passe sécuritaires puis de ne pas utiliser le même mot de passe partout, mais pour quelqu'un qui ne s'est jamais intéressé à la technologie avant qu'elle doive se protéger d'un acteur menaçant
urgent, ça fait beaucoup à apprendre d'une shot. Puis, je vous emmène à vous parler d'une étude que j'avais lue qui était super intéressante, qui est de justement, est-ce que la cybersécurité, c'est « overwhelming » Je m'excuse de ne pas avoir traduit le terme, je n'aimais pas le terme français de « écrasante » que les traductions me proposaient, fait que j'étais allée avec le terme en anglais. Puis, cette étude-là, en fait, ça a été demandé à des professionnels de la cybersécurité, à savoir, est-ce que vous trouvez ça overwhelming des fois, la cybersécurité? Puis, il y a quand même beaucoup de gens dans l'industrie qui sont comme, oui, en fait, il y a beaucoup de choses à apprendre, il faut se tenir au courant, il faut être au courant de tout, il faut suivre, il faut lire tout le temps, il faut toujours mettre à jour nos connaissances. Right? Comme, il y a beaucoup de choses à savoir en cybersécurité. Fait qu'imaginez quelqu'un qui n'est pas intéressé par ça déjà à la base, qui doit comprendre comment ça fonctionne de façon fonctionnelle, puis qui est en situation d'urgence puis de panique émotionnelle. C'est dur, c'est beaucoup, puis c'est hyper overwhelming. Pis ça, c'est un des gros enjeux quand on essaie de soutenir quelqu'un dans une situation de violence technologique, justement, de il faut adresser l'émotion derrière ça. Parce que pendant que la personne panique, de lui parler de « Ah, oh, fais juste de faire une machine virtuelle », la personne ne comprendra rien, OK? Il faut y aller pour des solutions qui sont simples, qui sont accessibles, qui sont efficaces puis qui sont rapides. Ça fait que des fois, la meilleure solution, ce n'est pas celle qu'on va proposer. On va proposer celle qui est le plus efficace rapidement et qui va aller gérer la majorité des problèmes. Je vais faire une petite nuance vite sur, bon, il y a plusieurs types de logiciels d'espionnage, ça, je vais vous en parler plus tard. Puis, tu sais, en théorie, il y a les spyware et les stalkerware. Je vous les ai définis vite là, à l'écran si ça vous intéresse de lire, là, mais selon les théories, le stalkerware est plus intime. Là, à la base, il est installé physiquement, typiquement. Ça, c'est une des réalités où est-ce que souvent, tu sais, la personne, l'abuseur a accès à l'appareil téléphonique de la personne, a accès au réseau Wi-Fi, a accès, il est dans la maison, il est là. Puis s'il n'a pas accès à ces données-là, ben il a accès au téléphone des enfants parfois. Mais pour les fins de juste la conférence, je vais utiliser les deux termes de façon interchangeable parce que la nuance n'est pas si importante dans le contexte là, qu'on veut aborder aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que ces apps-là, par contre, elles sont en prolifération constante, il y a plein de choses qui vont exister, qui vont exister souvent en application normale. Fait que, par exemple, la personne peut penser qu'il n'y a rien de suspect sur son téléphone, mais il y a une deuxième application de calculatrice qui s'est glissée dans son fichier, dans son dossier d'application. Puis cette application-là, en fait, ça donne que c'est un logiciel d'espionnage. Les logiciels d'espionnage vont parfois suivre les localisations GPS, parfois ils vont activer la caméra ou les micros à distance. On a vu des cas d'appareils où est-ce qu'il y a le micro, puis il y a les messages qui peuvent être envoyés à distance, où il y a des appareils qui peuvent être contrôlés localement de la victime. Ça peut être un keystroke, là, comme on regarde un keylogger, où est-ce que tout est enregistré, tout ce qui est tapé, donc les mots de passe éventuellement deviennent compromis. Il y a des appareils où est-ce que c'est l'écran carrément qui est visible, donc la personne a un miroir du téléphone de la personne. Puis dans ce cas-là, par exemple, une application comme Signal devient plus aussi efficace parce que s'il y a juste le miroir, il n'y a pas besoin d'intercepter quoi que ce soit, il voit exactement ce qui est sur l'écran. Bref, il y a plein de formes. Il y en a qui sont payantes, il y en a qui sont gratuites. Puis, il y a des influenceurs qui les poussent en ligne. Ça, c'est la partie pas le fun. En fait, si vous tapez « comment espionner ma blonde? Est-ce que ma blonde me trompe? » Vous allez tomber sur des vidéos de gens qui vont vous montrer quelle meilleure application vous pouvez utiliser, comment les faire fonctionner, comment les installer, puis à quoi elles servent. Il y a beaucoup de ces applications-là qui sont vendues un peu en mode comment espionner tes enfants pour la sécurité, puis tu peux t'en servir sur ta conjointe aussi. Mais il y en a qui ne se cachent même pas, là, qui sont juste ouais, c'est pour savoir si ta blonde te trompe, puis let's go. Puis c'est beaucoup vendu comme ça. Je vous ai montré un genre de screenshot là, de toutes les vidéos qui existent, puis tu sais, c'est vous le voyez, là, les termes ne sont pas cachés. Là. Il n'y a pas de gêne. Ils disent carrément comment le faire. Il y a des gens qui font de l'argent là-dessus. Là, c'est payant d'être un influenceur sur YouTube. Puis, ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'il y a des tendances. Il y a un côté sombre de TikTok, si on veut, où est-ce qu'il y a beaucoup. Ça vise plus les jeunes. C'est une chose sur laquelle, moi, personnellement, je suis beaucoup inquiète. Parce qu'il y a cette normalisation-là de justement, c'est assure-toi que ta blonde est loyale, comment faire payer ta blonde si elle te trompe, comment savoir si elle te trompe, comment cacher des choses, etc. Fait que les jeunes apprennent via des influenceurs sur TikTok, via des petites vidéos là, hyper dynamiques et intéressantes à regarder, comment installer des logiciels espions, comment décoder. Des fois, il y avait des hacks qui ont été patchés, entre autres, sur rapport que si tu faisais une série d'actions, tu cassais un peu l'écran de verrouillage, tu peux accéder au contenu. Puis là, hey, si ta blonde n'a pas fait sa mise à jour, tu peux faire ça, puis aller débloquer, puis aller voir les messages. T'sais.
c'est des vidéos qui sont poussées aux jeunes constamment sur TikTok. Bref, c'est des choses qu'il faut regarder puis sur lesquelles il faut justement là, être prudent parce que c'est quand même sociétal là, comme impact. Je vais faire une mini-nuance que dans le cadre de la présentation, je ne vais pas aborder les logiciels d'espionnage étatique comme Pegasus. Ce n'est pas le contexte dans lequel on est en ce moment. On parle vraiment de logiciels accessibles grand public que n'importe qui peut télécharger en ligne avec des guides d'installation très user-friendly. Malgré le fait que, dans le contexte de la violence conjugale, on sait qu'il y a des agents du NSA, agents au pluriel, by the way, qui se sont déjà servis des outils, en fait, de leur agence pour espionner leurs partenaires. On a déjà vu aussi là, des cas localement de la GRC, entre autres, où est-ce que la personne s'était servie là, un peu de logiciel de façon non autorisée, bien entendu, pour espionner là, quelqu'un sur qui il y avait une obsession. Donc, on n'est pas nécessairement à l'abri de logiciels étatiques dans un contexte de violence conjugale, mais mettons 99% des cas, on parle de choses grand public. Bien entendu, pas besoin de télécharger des applications illégales non plus, quand il y a plein d'applications légales qu'on peut utiliser de façon illégale pour traquer quelqu'un. On peut penser aux smart homes, entre autres, qui sont littéralement des maisons déjà là, préinstallées où est-ce qu'on peut aller espionner quelqu'un. Tout est déjà installé dans la maison, on a programmé ça ensemble, puis peut-être que la personne n'a pas pensé à aller débrancher les choses au départ de l'abuseur. Toutes les Ring, caméras Ring d'Amazon, on peut penser aux moniteurs de bébé des fois connectés qui ne sont pas sécurisés, les Alexa, les AirTag, etc. Il y a plein là, d'usages là, où est-ce qu'on voit justement des gens qui vont aller détourner l'utilisation normale de ces appareils-là pour espionner quelqu'un. Les AirTags, c'est un fléau. Oui, maintenant, il y a une collaboration avec Apple puis Android pour permettre une application de télécharger puis de traquer un AirTag qui vous suit depuis longtemps, que vous n'avez pas autorisé, mais les gens ne le savent pas. Fait que là, il faut expliquer à la personne, OK, tu as besoin de télécharger cette application-là pour t'assurer que ton ex-conjoint n'a pas glissé sous la banquette arrière de ta voiture un AirTag. Tu as besoin de regarder si les sacs à dos de tes enfants, il n'y a pas un AirTag de caché. Je dirais que les façons de cacher ces AirTags-là sont toutes plus ingénieuses les unes que les autres. Là, ça en est absurde dans certains scénarios. J'ai vu des cas là, de doublure de sacoches là, qui ont été déchirées pour glisser un AirTag, puis recousu, puis l'AirTag était caché comme ça. Donc, vraiment, là, prendre attention, justement, de considérer quand il y a une nouvelle technologie, comment est-ce que ça peut être exploité par les gens pour aider les gens à se protéger. Ça fait partie, justement, du travail d'intervention souvent. Ça, c'est la blague typique. Hein, le S dans IoT, il est pour sécurité. Il n'y a pas de S. C'est particulièrement vrai dans le contexte de la violence conjugale. D'ailleurs, généralement, quand on fait de l'intervention, la première chose que je demande, c'est bon, il y a combien de bébelles connectées chez vous? Parce qu'il va falloir qu'on ait débranché toutes. Parce que justement, elles sont utilisées à mauvais escient. D'ailleurs, j'ai des histoires d'horreur à vous raconter. Pas trop, parce que je ne veux pas non plus décourager tout le monde. Je vais commencer par des cas d'actualité. Hein. C'est pas juste ici ou c'est pas juste des cas rares qu'on a trouvés. Là, que ça se donne qu'on a eu les deux pires cas possibles. C'est commun dans l'actualité de voir ce genre de nouvelles-là. Hein. Donc, la façon dont les AirTags sont utilisés, des témoignages, il y en a plein. À travers tout ça, on a déjà vu des cas de revenge porn où est-ce que la personne s'était servie, en fait, d'une caméra cachée dans la maison de son ex-conjointe pour se revenger parce qu'elle avait mouvant, etc. Fait qu'il y a des scénarios là, comme ça à n'en plus finir. Est-ce que je vais jouer avec mon micro? Donc, première histoire d'horreur, l'Alexa dans le mur. Cette dame-là nous est arrivée dans une situation un peu particulière. C'est une dame qui, 15 ans de relation, depuis l'adolescence, en fait. C'est la personne avec qui elle était à son bal de finissant. Là. Fait qu'ils ont toujours été ensemble. Puis, ils ont des enfants. Puis, elle a zéro intérêt envers la technologie. Jamais eu aucun intérêt là-dessus. Versus lui, c'est le genre de personne que s'il y a un gadget qui vient de sortir, c'est acheté, c'est utilisé. Puis, comme de fait, c'est lui qui a monté la maison domotique à grandeur. Puis, j'ai jamais vu de toute ma vie une maison aussi connectée que cette maison-là en tonalité. J'ai jamais vu ça. Puis, tu sais, j'en ai vu des maisons connectées dans ma vie, puis celle-là était comme vraiment out there. Je sais pas ce que le monsieur fait dans sa vie, mais il peut se permettre des choses, des gadgets. Puis là, il faut déconnecter tout ça parce que le monsieur s'en sert, en fait, pour tourmenter psychologiquement son ex-conjointe parce qu'il a été demandé qu'il sorte de la maison parce qu'il y a eu une situation d'arrestation
après de la violence physique, la police est arrêtée, monsieur est retiré, etc. Donc, c'est madame qui reste à la maison. Puis là, elle se rend compte qu'il a l'air de savoir beaucoup de choses. Il a l'air d'être au courant en avance de tout ce qu'elle communique avec ses avocats avant que les avocats aient pu communiquer à son avocat à lui. Il fait des commentaires de comme « Ah ouais, Gaston, ton nouveau chum. » Ça n'a jamais été mentionné, puis les enfants avaient été avertis de ne pas mentionner le nouveau copain. Puis arrive un point où est-ce qu'elle est en présentation avec sa patronne. Puis derrière son bureau, il y a un écran de TV. Gros écran connecté. Puis alors qu'elle est en présentation, il y a une vidéo porno qui part à plein volume sur l'écran en arrière. Heureusement, elle avait le background flouté pendant sa présentation. Fait qu'elle se met sur mute, elle dit « Excusez-moi, il faut que je reviens. » Elle ferme tout ça, puis elle comprend pas, puis elle n'arrive pas à… Ça finit qu'il a fallu qu'elle débranche carrément la TV. Puis elle débranche la TV, il y a un autre écran qui part. Puis éventuellement, il y a des speakers qui partent dans la maison. Puis là, c'est en panique, puis ils se mettent à faire super chaud dans la maison. Parce que là, les planchers chauffants sont partis. C'est le chaos. Puis là, ben, elle se rend compte, puis elle devine un peu que c'est pas que sa maison est hantée par un fantôme, c'est que c'est probablement l'ex qui fait quelque chose à distance en ce moment. C'est là qu'elle contacte ses avocats, puis qu'on nous demande d'intervenir. Tout de suite après cette intervention-là, il y a un incident au travail. Elle se fait rencontrer par l'équipe TI parce que l'ordinateur de travail a été compromis également. Ça a semé des alertes. Tant mieux pour elle, parce que ça, c'est des preuves concrètes qu'on peut utiliser ensuite qu'il y a eu une tentative là, d'intrusion réelle, alors que c'est plus difficile de dire que quelqu'un qui a les accès se connecte puis misutilise en fait les choses. Finalement, on finit par débrancher les choses, regarder tous les trucs, on recette tous les mots de passe de tout, on recette les trucs. Puis pendant que je regarde les choses, je me rends compte qu'il y a un Alexa connecté. Puis je suis comme, ah, tu sais, le Alexa, moi, je recommanderais d'enlever ça. Puis elle me dit, c'est quoi un Alexa? Je suis comme, ah, tu sais, c'est un petit speaker, je l'écris. Enfin, je n'ai jamais vu ça. Je suis comme, OK. Puis on commence à regarder à travers la maison, on fouille, on refait, on fait le tour des pièces. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Fait que là, on commence à appeler Alexa. Alexa, allô, tu sais, le petit code pour voir. Puis éventuellement, on entend un petit bruit, genre, de micro qui nous entend. Puis, wow, il était derrière un mur plâtré. Fait qu'on a déterré là, Alexa de là, puis on l'a débranché. Oui. Fait que là, c'est sûr qu'il y a l'enjeu, on a recété le réseau éventuellement, puis tu sais, s'il y a d'autres Alexa cachés ailleurs, ils ne pourraient pas être activés. Mais c'est le genre de choses qu'on a vues dans ce genre de cas-là. Elle va bien maintenant, elle est en sécurité, puis les procédures judiciaires se continuent. Puis en masse de preuves pour prouver qu'il y a effectivement un enjeu ici de sécurité. Ça, c'est mon premier étude de cas qu'on a vu, puis c'est ce genre de choses-là qu'on va intervenir. C'est sûr que c'est un des pires cas qu'on a vu, là, mais souvent, ça va être ça, justement, de trouver les machines connectées, puis de penser à tel truc, puis des fois, au fur et à mesure qu'on les déploie, il y en a d'autres qui se rebranchent. Le week-end d'après, les enfants sont allés voir le père, puis là, tout est à refaire parce qu'il y a eu intrusion. Mon deuxième cas est un petit peu plus trigger warning, c'est un peu sombre, en fait, comme histoire. Elle se finit bien, l'histoire, mais il y a un moment qui était quand même assez... triste. C'est un cas d'une dame quand même âgée. Contrairement à beaucoup de gens. T'sais, généralement, je ne sais pas vous, mais moi, mon grand-père, il n'est pas super techno, mais ce grand-père-là, il aimait ça, la technologie. Puis, il avait cité un compte iCloud pour elle et lui ensemble. Ce qui veut dire qu'il avait accès entièrement à toutes ces choses à elle, mais elle à lui aussi également. Puis, bien entendu, il y avait une notion de contrôle coercif, là, où est-ce que justement, elle se rendait compte qu'il utilisait beaucoup les choses qu'il pouvait voir. Il y avait une escalation de violence, puis éventuellement, elle a voulu faire un plan pour se séparer. Elle est allée chercher de l'aide, elle a regardé comment faire, elle a essayé de préparer ses dossiers, tu sais, de mettre dans un compte différent ses choses à elle versus les choses à lui pour justement pas perdre ses photos, ces choses-là. Puis, en recherchant dans ces dossiers-là, parce qu'encore une fois, c'est un compte conjoint qu'il y avait iCloud, elle trouve un plan d'assassinat. Incluant la place où est-ce qu'il va l'enterrer pour cacher le corps. C'est quand même assez intense. Paniquée, elle court au poste de police. Puis c'est là que ça devient sombre, en fait, parce que quand le policier reçoit l'histoire, ce qu'il répond à notre victime, c'est « Madame, là, vous écoutez trop de films d'horreur. Là, ça se peut pas des choses comme ça. »
la dame s'est fait gaslight carrément là, par la police, que c'est pas vrai, qu'elle s'imagine des choses, qu'elle devrait aller voir de la santé mentale parce que c'est pas bien de s'imaginer des choses comme ça, puis vous êtes un peu confuse, vous êtes un peu perdue. Et la dame rentre donc en pleurant chez elle, complètement désemparée, puis elle se convainc, peut-être qu'il y a raison, peut-être que j'imaginais des choses. Finalement, quelques temps plus tard, elle se réveille à l'hôpital, où est-ce qu'elle a survécu un empoisonnement. Il a manqué sa shot. Heureusement, c'est là, son père l'a trouvé, il est intervenu, son père l'avait cru. Puis c'est là qu'elle a pu avoir accès justement à un réseau d'avocats, des ressources qui ont été mises sur son cas. La police l'a cru, rendu là. Puis maintenant, là, on est en étape justement de sécuriser ces choses. Le seul problème, c'est que ce monsieur-là a installé les réseaux de elle, tous ses trucs, ses comptes, mais aussi de la personne chez qui elle se retrouve en sécurité, son père. Fait qu'il faut aller sécuriser tout le Wi-Fi, tous les ordinateurs de son père aussi. Fait que ça fait quand même un gros travail, justement, là, de passer à travers tout ça pour ping fin. Puis, vous vous en doutez, si on manque une chose, c'est à recommencer, basically. Fait que ça ressemble un peu à ça, les cas qu'on voit là, dans notre travail. C'est sûr qu'il y en a des plus légers, là, où est-ce qu'on sécurise deux, trois trucs, c'est terminé, c'est plus doux, si on veut. Mais on voit ce genre de cas-là aussi. Pour certains, on ne gère pas là, des centaines, des milliers de cas. Là. C'est quand même un petit échantillon pour avoir vu déjà ce genre de cas-là. Fait que je me doute que ce n'est pas si rare que ça non plus. Les attaques vont généralement être multidimensionnelles, donc on voit. Il va y avoir des trucs physiques qui vont être installés carrément. Les téléphones vont être capturés. Il va y avoir des attaques logicielles. Puis, il va y avoir également de l'ingénierie sociale. Puis, c'est là que je vous réfère justement au gaslighting, à la manipulation. Les personnes vont finir par croire parfois éventuellement qu'elles s'imaginent des choses parce que ça en est absurde. Puis, en tant qu'intervenante, des fois, honnêtement, il y a des cas où est-ce qu'on se pose nous-mêmes la question, ça se peut pas. Est-ce que je suis en train de délai quelqu'un qui est en psychose? Ou est-ce qu'il se passe quelque chose pour de vrai? Puis, c'est des fois, il y a eu des situations où est-ce qu'il y avait actually personne qui stalkait la personne, c'était effectivement imaginé. Ça, c'est dur à gérer en tant qu'intervenante parce qu'on veut croire les gens, mais il y a quand même un rare scénario, puis c'est peut-être 1% des fois, où est-ce que c'est aussi une situation de santé mentale qu'il faut adresser. Généralement, ce n'est pas les cas qui nous sont référés par des avocats ou des cliniques de cybercriminalité, par contre, ces cas-là, mais c'est quand même des choses à considérer. Dans les termes d'attaque physique, il y a des gadgets comme ça qui existent que vous avez probablement déjà entendu parler, là, le OMG cable qui est comme un câble, puis quand on regarde ça, c'est comme, ah, mais ça, c'est full niché, là. C'est pas n'importe qui peut aller puis s'acheter un truc comme ça. Peut-être pas cet outil-là en particulier, mais des gadgets d'espionnage. Une bonne recherche Amazon, ça peut vous équiper en masse pour aller justement traquer quelqu'un. On peut penser, entre autres, là, à nos fameux influenceurs de TikTok qui vendent leurs gadgets. Allez voir mon lien Amazon, mon Amazon Store. Puis leur Amazon Store est plein de catégories, genre, tu veux un micro, tu veux un GPS pour mettre dans une voiture intraçable, tu veux une horloge à mettre à côté du lit qui a une caméra cachée. C'est une des chances. Puis il y avait même un coupon Amazon, là. Une horloge, 69$, 5$ de rabais, let's go, pour espionner les gens. Puis ça se vend rapidement. Puis le problème avec ça, c'est qu'il n'y a pas un seul outil qui existe universel pour les détecter, ces choses-là. Oui, il y a des gadgets là, qu'on peut regarder, il y a des façons de regarder le Wi-Fi, qu'est-ce qui est connecté. Ce n'est pas toutes ces bidules-là qui se connectent au Wi-Fi, il y en a qui ont juste des cartes mémoire. Dans ce cas-ci, ils sont généralement beaucoup plus difficiles à détecter, justement. Puis, il n'y a pas de truc unique. T'sais, oui, il faut regarder pour la petite lumière bizarre, oui, on peut regarder avec des infrarèdes, mais encore une fois, il n'y a jamais de garantie à 100% qu'on a attrapé tous les gadgets dans une maison, peu importe les outils qu'on utilise. Avez-vous peur un peu vous-même ou? OK. Ce qui m'amène à vous parler de OK, mais comment on gère ça, nous, petite association de ben, deux personnes, moi et Sam qui est dans la pièce d'ailleurs. Allô, Sam. Comment on fait pour gérer ça? On a des gens qui viennent nous aider à l'occasion aussi, là, d'ailleurs. Bien, en fait, on a collaboré avec des organismes hein, parce qu'on n'est pas. On est juste deux personnes, fait que bien entendu, on a besoin d'aide. Excuse le micro, m'énerve parce que je suis tout le temps penchée. Entre autres, on a collaboré avec le CETA, donc Clinic to End Tech Abuse par le Cornell University. Super belle collaboration qui est tombée un peu par hasard. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on cherchait justement, okay, là, il faut qu'on trouve des documents, il faut qu'on trouve de quoi pour aider les gens rapidement.
Puis, ce groupe-là, en fait, qui était financé par l'université, avait créé plein de super belles documentations. Légèrement endettée parce qu'elle n'avait pas été mise à jour depuis quelques années, mais une bonne base sur laquelle commencer à travailler. On les a contactés pour leur demander « Hey, est-ce qu'on peut avoir votre permission pour traduire les documents? » Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, si j'ai une personne qui n'est pas intéressée par la tech, qui ne s'y connaît pas, qui est super anxieuse et stressée, je ne peux pas aller dumper un document dans un deuxième langage qu'elle ne connaît pas nécessairement. Il faut que je trouve un document qui est en français, right? Puis, il n'y en avait pas vraiment des ressources comme ça. La clinique est comme super enthousiaste, puis au lieu de nous dire « oui, allez-y, ils font plus que ça », ils sont comme « actually, collaborons, travaillons ensemble, si vous pouvez les mettre à jour, ça nous aiderait, on va uploader les versions à jour que vous trouvez, etc. » C'est qu'on s'est servi de leur documentation puis de leur méthodologie pour l'appliquer puis la traduire à ce que nous, on va faire dans l'association quand on reçoit en fait des demandes d'aide. Ça ressemble à quoi? Quand on reçoit une demande, bien déjà, pour commencer, il faut qu'on pose des questions. Généralement, ce qu'on va faire, à moins que ce soit là, une situation urgente que l'avocat nous dit « OK, il faut faire l'appel tout de suite, c'est hyper urgent, critique », généralement, on va leur envoyer un genre de formulaire qui va leur poser des éléments clés de questions pour qu'on puisse justement savoir, bien, d'un, quoi leur envoyer comme documentation puis quel niveau d'aide ils vont avoir besoin. Donc, d'un, c'est, il faut évaluer la criticité de la situation. C'est sûr qu'on ne leur pose pas comment critique est la situation. Il y a des questions qu'on va poser qui vont nous permettre d'évaluer comment critique c'est. On va généralement s'intéresser sur est-ce qu'il y a des enfants impliqués dans la situation. S'il y a des enfants, est-ce qu'ils ont leur appareil déjà dans les mains? Est-ce que c'est des jeunes qui ont déjà des cellulaires, des iPads? Puis s'ils ont des cellulaires et des iPads, est-ce que l'abuseur a encore accès? Est-ce que c'est l'abuseur qui les a donnés, par exemple? Il y a plein de questions à poser là-dessus. Justement, la question principale, c'est est-ce que vous habitez encore avec la personne? Ou est-ce que c'est séparé? Est-ce qu'il y a des contacts parfois? Il faut savoir, justement, est-ce qu'il y a un accès physique encore à la maison, aux appareils, etc., pour savoir le protocole qu'on va mettre en place pour les sécuriser. C'est quoi les appareils? Tout simplement pour savoir s'il faut qu'on fasse du support technique Apple ou Android. C'est quand même une grosse décision déjà à prendre. C'est quoi le niveau technologique des deux personnes impliquées? S'il y a eu des cas où est-ce que la personne est vraiment bonne, c'est jusqu'à panique, puis elle ne sait pas par où commencer, puis le chum n'était pas tant bon non plus. Des fois, c'est le contraire. Souvent, c'est le contraire. Et il y a une exception sur laquelle je vais vous revenir en conclusion. Des fois, le chum, il n'est pas bon en tech, mais son meilleur ami, c'est un pro de la cybersécurité, puis il l'aide. Je reviens là-dessus en conclusion. Puis, finalement, c'est quoi l'objectif? Est-ce qu'on sécurise le plus vite possible ou est-ce que là, il faut monter un dossier de preuve? Puis là, ça va changer beaucoup la méthodologie. Si on fait juste sécuriser, généralement, ça va être plus être des checklists, ça va être plus comme, OK, on passe à travers les choses rapidement, on déconnecte tout, puis on prend pas de preuves ou quoi que ce soit. Des fois, c'est pour aller en cours, c'est pour prouver qu'il y a eu abus technologique. Puis là, on a besoin de justement monter un dossier avec la personne, puis c'est un petit peu plus difficile. Fait que de façon typique, quand on reçoit la personne, un appel, par exemple, parce que souvent, les gens vont pas juste être contents de recevoir un checklist, il faut les accompagner. Bien, la première étape, déjà, souvent, ça va être d'écouter leur histoire. C'est dur, on ne peut pas juste passer en mode « OK, parfait, ouvre ton Facebook, on va déconnecter les choses. » Il faut les écouter parce que ces gens-là sont en situation de vraiment détresse, parce qu'il y a des enjeux concrets, réels et parfois mortels en jeu. Puis, il faut justement montrer de l'empathie. Puis, c'est dur, en tant qu'intervenant, parfois, de faire cet aspect-là. C'est dur de ne pas prendre personnel les situations, c'est dur de ne pas être affecté, c'est normal, on est tous humains, mais ça fait partie de l'intervention de justement offrir cet espace-là à la personne pour nous expliquer la situation. Ensuite, il y a des disclaimers à envoyer à la personne, entre autres le fait que on ne collecte pas les données, qu'il va falloir accéder à certaines choses, que peut-être que si on a à prendre le contrôle de son ordinateur à distance, merci pour TeamViewer d'ailleurs, ça se peut qu'on voit des choses. Puis, dans ce cas-ci, elle peut toujours nous dire « Non, je ne veux pas que vous voyez ça, arrêtez de regarder, cliquez pas là-dessus, puis qu'il ne faut pas qu'elle se gêne non plus. » Ensuite, puis bien entendu, les demandes de consentement parce que loi 25. Ensuite, on va généralement, genre, l'historique, qu'est-ce qui se passe? On va valider les choses qui sont arrivées qu'on a vues dans le questionnaire. Puis, ça va nous amener à, justement, généralement, bon, soit on prend la prise de contrôle de l'ordinateur, puis on passe à travers les réseaux, on se connecte, on check les choses, on regarde qu'est-ce qui est connecté. On ouvre Facebook, les paramètres de sécurité, on regarde les connexions, etc., etc. Des fois, on va faire des scans d'antivirus pour voir s'il n'y a pas des logiciels espions installés, sur l'appareil téléphonique également. Finalement, après avoir fait le gros du travail, on va faire ce qu'on appelle le « privacy check ». Généralement, c'est de justement le passer à travers tous les autres comptes possibles qu'on pourrait avoir à considérer. On a une checklist pour ça. Je vais vous la montrer. Faites-vous-en pas.
Ensuite, il y a des devoirs. Généralement, avec qui la personne parle, on s'entend, on fait ça de façon bénévole. Je ne peux pas nécessairement passer 4-5 heures avec une seule personne. Il y a trop de demandes pour ça. Donc, généralement, on va laisser la personne avec « OK, parfois, on a fait le gros. Il faut que tu continues à faire X, Y, Z choses. Ça peut être de tenir un journal pour traquer les incidents. Ça peut être de passer à travers des checklists supplémentaires, des guides, justement, de comment aller installer, désinstaller des choses. » Si c'est nécessaire, parfois, on va voir à c'était le follow-up. Puis finalement, ben, on fait un petit journal de notre côté de « bon, on a fait telle chose avec telle personne, comme ça, s'il y a un retour ou si l'avocat nous contacte éventuellement pour nous demander qu'est-ce qui s'est passé, on peut avoir un peu les informations. » Fait généralement, tu sais, appareil connecté, c'est une des rares choses que j'apprécie de Facebook, en fait. Quand on regarde les connexions qui ont été faites sur Facebook, il y a l'adresse IP et les appareils connectés. Puis ça, c'est le fun pour accumuler des preuves. Donc, on peut matcher une adresse IP et un appareil qui ne correspond pas à ce que notre cliente a, mais qui correspond à ce que l'abuseur a. Le Wi-Fi, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on avait trouvé Amazon, grâce à justement l'application de Helix, qu'on voyait toutes les choses qui étaient connectées. Ça nous avait donné des indices de qu'est-ce qu'il y avait sur le réseau. Toutes des choses qu'on peut faire. Dans le matériel qu'on donne aux personnes, ça ressemble un peu à ça. Quand je vous disais qu'on ne parle pas de machines virtuelles et de trucs vraiment techniques, ça va plus être des choses simples comme ça. Hein? OK, comment tu fais pour savoir si tu as un spyware sur ton téléphone? Bien, ta batterie, est-ce que ta data a comment augmenté? Est-ce que ça surchauffe? C'est des choses qu'une personne qui n'est pas nécessairement technique peut remarquer comme symptômes pour que nous, ensuite, on puisse dire OK, on va prendre ton drapeau rouge et on va l'investiguer. Apparemment, c'est comment qu'on parle de retirer un stalkerware. Honnêtement, si la personne ne veut pas de preuves, généralement, c'est un factory reset. C'est la chose la plus simple à faire qui va marcher dans la majorité des cas puis qui règle le problème rapidement. Si elle a Apple, facile, va au Apple Store, demande-leur de faire ça. Ils ont des protocoles pour aider les gens dans ces situations-là. On peut référer à des ressources. Android, il faut le faire un peu plus en tenant la main de la personne parce qu'il n'y a pas un Genius Bar pour les téléphones Android. Mais de façon typique, c'est ça. Un de nos enjeux, c'est aussi la sécurité de la personne. Dans ce genre de cas-là, il faut avertir la personne que les actions qu'on prend avec elle peuvent alerter l'abuseur qu'on est en train d'essayer de faire des démarches. Puis c'est quelque chose à considérer dans la sécurité de la personne. Puis ça peut être dangereux rapidement dans ce genre de situation-là. Puis c'est un des cas, justement, où est-ce que j'aimerais ça pouvoir aller physiquement chez les gens des fois pour les aider, mais c'est pas sécuritaire faire ce genre de choses-là, puis on n'a pas nécessairement les ressources ou les assurances pour nous permettre de faire ce genre de choses-là. Fait que malheureusement, souvent, c'est à distance, sur FaceTime, puis on fait ce qu'on peut. Je vous parlais de ma checklist. Une des choses qu'on a adaptées, justement, du Kernel U, puis on a ajouté beaucoup de choses là, depuis, c'est la checklist de déconnexion totale. Elle fait plusieurs pages. Puis, elle va aborder tous les comptes auxquels on ne pense pas nécessairement qu'on a peut-être encore en commun avec notre ex. Par exemple, Uber Eats. Uber Eats ont des fonctions, right, où est-ce que tu peux partager les comptes, les factures, etc. Mais, tu sais, si tu partages avec ton ex, puis là, tu te commandes un lunch, maintenant que tu es en sécurité, puis que ton ex est encore connecté, mais il peut voir où est-ce que ta nourriture se fait livrer. Plein de comptes comme ça, là, ça peut être carrément juste le Netflix commun, qui faut séparer des informations bancaires, des informations de facturation. Ça peut être carrément de « je sais que tu es à la maison en ce moment parce que tu es en train d'écouter la télé à telle adresse IP ». Fait qu'il y a des choses comme ça à considérer que, nécessairement, quand on fait des listes, on ne va pas penser tout de suite. T'sais, on va penser à Facebook, Twitter, Instagram, sure. On va penser aux comptes bancaires, mais il y a des détails qu'on oublie parfois. Cette checklist-là va justement aider à passer au ping fin toutes les plateformes qu'une personne pourrait utiliser pour s'assurer que tout est sécurisé. Dans les types de conseils qu'on va donner généralement aussi, souvent, il faut sécuriser les méthodes de communication. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec les avocats parce que, justement, c'est très fréquent que l'abuseur intercepte les communications entre la victime puis son avocat. Puis dans ce cas-ci, c'est ça, les bonnes pratiques typiques. Je ne vais pas nécessairement vous relire. Je vous les ai mis à l'écran si ça vous tente. Mais tu sais, c'est juste d'établir des protocoles clairs, des phrases de passe secrètes pour valider qu'on parle à la bonne personne. Ça m'est arrivé là, de citer une rencontre avec quelqu'un. La personne n'avait pas encore réalisé que son nouveau courriel était compromis. Puis, ben, c'est la personne, le gars qui s'est pointé à l'appel. Puis, j'ai comme, t'es pas la personne que je m'entendais. On a fermé l'appel, puis on a recété une autre méthode de communication via l'avocate. Mais c'est ce genre de choses qu'il faut justement le valider. Puis, des fois, si c'est par chat, des fois, il y a des doutes que, comme, est-ce que je parle à la bonne personne ou je suis en train de donner des conseils à la mauvaise personne en ce moment? Puis, il faut avoir des protocoles en place, surtout quand c'est des cheminements un peu plus longs pour sécuriser les communications.
C'est sûr que l'enjeu, c'est tout le temps justement, tu sais, comment qu'on se protège quand l'attaquant il est littéralement chez nous dans la maison, des fois encore présent. Si c'était des appels, ça peut être super difficile. Généralement, on va travailler, tu sais, on va dans une bibliothèque, puis on va faire l'appel à ce moment-là, on va chez une personne de confiance. Il faut aller se protéger aussi des trucs comme Lost My Phone. Généralement, les comptes vont être connectés, tu sais, entre famille, tu plugs les téléphones de tout le monde, comme ça, si eux perdent leur téléphone, ça va falloir trouver. Puis la personne s'en va, puis la personne active le Lost My Phone qu'on avait oublié de déconnecter. Le SIM swap est un gros enjeu aussi. Si la personne essaie de se connecter, puis qu'il y a des méthodes d'authentification à plusieurs facteurs, c'est le fun, c'est une belle pratique. Mais généralement, votre ex-conjoint sait comment répondre à vos questions de sécurité ou informations d'identification. D'ailleurs, c'est le genre de choses qu'on va dire aux gens, justement, de répondre des fausses réponses de sécurité pour justement éviter que la personne puisse juste appeler Belle, par exemple, se faire passer pour la personne. Des fois, il est littéralement un des co-détenteurs du compte, demander un changement de carte SIM, puis éventuellement juste avoir accès rapidement à tous les comptes après qu'on ait tout sécurisé. Pareil pour les mots de passe. Souvent, la personne va les connaître, que ce soit parce que bien, vous regardez ou bien, à l'époque, il y avait un post-it sur le coin de votre ordinateur, puis là, bien, il l'a pris en photo puis il le sait. Ou des fois, c'est même lui qui a cité tous vos mots de passe. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il faut reprendre rapidement contrôle des choses. Oui, les gestionnaires de mots de passe sont pratiques dans ces cas-là, mais si le gestionnaire de mots de passe, c'est sur un compte Google ou iCloud qui est compromis, ça ne sert plus à grand-chose. Bref, il y a beaucoup d'enjeux de sécurité où est-ce que les bonnes pratiques classiques qu'on s'imagine vont pas être aussi straightforward qu'on aimerait. Puis, il faut justement adapter nos méthodes à ça. Des fois, la meilleure solution, c'est un cahier de notes qui est caché chez ta meilleure amie avec des mots de passe. Puis, pas le gestionnaire de mots de passe sur Apple que la personne a accès. Il faut adapter aussi en fonction de la réalité technologique de la personne. Quand je pense à ma vieille dame, justement, là, qui a 65 ans, elle ne s'est jamais intéressée à la technologie, je ne peux pas commencer à essayer un 1Password, elle va être perdue, la pauvre. Il faut qu'on trouve des façons plus simples de justement lui permettre d'avoir des nouveaux mots de passe solides, sécuritaires, mais qui ne vont pas être trop difficiles pour elle puis hors d'accès. Je te donne ma diapo. Sinon, il y a des choses qu'on peut leur apprendre rapidement aussi. Ça, c'est un autre exemple. Vous voyez le petit truc bleu, c'est des contenus qu'on offre aux gens. CTRL-F, 4... C'est un truc important pour les victimes de violences conjugales, à savoir comme touche, parce que si elles sont en train de consulter de l'aide ou qu'on est sur un appel avec eux sur Google Meet, par exemple, puis que la personne arrive dans la maison, de pouvoir fermer tout rapidement, c'est un conseil pratique que les gens ne connaissent pas nécessairement. Apparemment, supprimer les cookies, ces choses-là que peut-être que nous, on s'imagine de base, parce que bon, on travaille en tech puis on connaît ça, ces choses-là, c'est pas nécessairement des informations que les gens, grand public, dans ces situations-là, connaissent ou vont penser à les faire. Donc, il faut passer à travers un peu tout le concept de faire de l'éducation aussi. On ne fait pas juste intervenir, il faut donner des outils à long terme pour pas que cette situation-là se reproduise immédiatement. Bien entendu, il y a des outils physiques de protection qu'on va généralement recommander aussi. Un sac de Faraday, ça peut être pratique lorsque le jeune a un téléphone que dans une visite, c'est généralement supervisé quand c'est dans des cas de violence conjugale. Tu peux pas demander à ton ado de laisser le téléphone à la maison. Il va te dire « Non, je n'apporte mon téléphone avec moi. » Mais tu peux négocier « Ok, mais quand tu visites papa, il faut que le téléphone reste dans ta pochette que je vais te donner. Tu n'as pas le droit de le sortir. » Ça, ça se négocie. Donc, on peut travailler ce genre de choses-là. Pareillement, si tu n'es pas sûr que ton téléphone est sécuritaire ou tu ne peux pas sécuriser cet appareil-là, fait que tu as un deuxième appareil sécuritaire caché, ben quand tu t'en vas, tu veux switcher ton téléphone de pochette pour pas que l'autre téléphone pas sécuritaire soit traqué ou des fois, tu veux pas que, par exemple, le système d'alerte international sonne pendant que ton téléphone est caché puis révèle l'existence de ce téléphone-là à la personne à qui tu essaies de le cacher. Il y a plein d'outils comme ça que, encore une fois, grand public, le concept de sac de Faraday, c'est pas nécessairement connu. Mais au moins, Amazon n'a pas juste du mal à vendre des cossins de surveillance. Ils vendent aussi ce genre de trucs-là très accessiblement. Fait qu'on peut recommander des ressources comme ça aux victimes. Je vais finir rapidement parce que mon temps achève. Puis, si jamais il y a des questions et que ça vous tente de jaser à la fin, je vais rester disponible. Mais comment qu'on accumule des preuves à travers tout ça? Ça dépend. Ça dépend de à quel point qu'on est en train de... quel endroit dans le cheminement on est. Est-ce qu'il y a déjà eu des accusations ou est-ce qu'on essaie de monter un dossier pour faire des accusations? De façon typique,
on a une chance un peu au Canada, si on veut, où est-ce que on est dans un endroit où est-ce que c'est one party record. Fait que si on a une conversation, vous et moi, puisque une des personnes dans la conversation dit « moi, je consens à ce que la conversation soit enregistrée », elle peut être enregistrée. Ce qui fait que c'est une façon pas technique de demander à quelqu'un d'accumuler des preuves qu'il y a eu tracking, c'est carrément juste enregistrer une confession. Tu m'enregistres? Oui, parfait. Ça a été enregistré, on a la preuve. Ça peut être de prendre des captures d'écran au moment qu'il se passe des choses. On a souvent vu que les gens vont admettre « ouais, je t'ai suivi », puis après ils vont effacer le message, mais si tu prends la capture d'écran rapidement, tu peux avoir une preuve. Puis, il y a le concept de faire une journalisation. Faut savoir que dans un contexte où est-ce que c'est un procès, où est-ce que c'est « il a dit versus elle a dit », un journal d'incidents, ça peut apporter du poids à la preuve. C'est un peu le même principe que si j'avais déjà eu des conflits avec un propriétaire, d'enregistrer toutes les fois que votre propriétaire a fait quoi de pas correct, même si c'est des petits incidents, le log complet devient une preuve. Même chose dans une situation comme ça. Il y a des outils qui existent, il y a des applications qui permettent, qui ont l'air de rien puis qui sont cachées. Il y en a un qui est fun, c'est comme journal menstruel pour être sûr qu'il ne clique jamais dessus. Puis dedans, c'est en fait des trucs chiffrés pour rentrer les informations, tu sais. Clever, mais il y a plein de trucs comme ça qui existent. Il y a des formats papier aussi, des templates qu'on peut fournir aux gens pour qu'ils puissent enregistrer les incidents. Je vous ai parlé justement, on a le droit d'enregistrer des conversations. C'est admissible comme preuve au Canada. Le fait que s'il y a une des... On ne peut pas aller espionner les conversations de quelqu'un d'autre, mais on peut envoyer comme preuve une conversation dans laquelle nous, on faisait partie. Donc ça aide justement à accumuler des preuves. C'est sûr que civil versus criminel, ça ne va pas être le même niveau. Dans quel contexte qu'on va essayer d'accumuler des preuves au civil? Il y a malheureusement un point un peu négatif qui est que des gens en ce moment qui essaient de faire changer. Mais au civil, si vous accusez pendant une situation de tribunal de garde partagée, donc au tribunal de la famille, votre conjoint de faire de la violence, puis que le juge est comme « il ne vous croit pas », bien, l'autre partie peut vous accuser d'aliénation parentale. Puis là, cette situation-là va devenir en fait pénalisante contre vous parce que vous avez osé dire quelque chose. Ça, en ce moment, il y a des pétitions là, d'avocats puis de gens qui sont impliqués, des militants, qui essaient de faire changer cette situation-là pour justement permettre aux victimes de, même si on peut accumuler assez de preuves, de pouvoir sécuritairement dire qu'il y a une situation de violence technologique sans être pénalisé pour. Parce que c'est quand même une situation horrifique là, de vouloir te protéger, puis protéger tes enfants, puis te retrouver à perdre entièrement la garde de tes enfants parce que tu as osé dire quelque chose sans avoir la capacité technique de cumuler les preuves pour prouver à un juge qu'il se passait quelque chose. Au criminel, il n'y a pas de cadre légal autour du contrôle coercif encore. Ça veut dire que quelqu'un te manipulait ou faisait genre des vidéos pendant que tu parlais ou à ton boss. Le cadre est un peu flou encore. Le système législatif ne suit pas la vitesse de la technologie, malheureusement. Puis, il y a la notion, c'est un peu pour ceux qui ont fait leur SISSP, l'irréfutabilité de la preuve, c'est plus difficile. Puis, on n'a pas encore eu l'occasion d'avoir à défendre aux criminels un cas comme ça. Mais c'est quelque chose que l'avocat nous a dit que ça se peut un jour qu'on soit appelé à parler en tant qu'expert. Puis, dans ce cas-là, il faut s'attendre à justement là, être drillé sur ses connaissances. Puis, que l'avocat de l'autre partie tente de détruire votre perception d'expertise pour justement annuler la valeur de la preuve collectée. Fait que c'est des choses à tenir en compte, en fait, quand on veut justement aider des gens dans cette situation-là. Puis la police, là-dedans, je vous laisse deviner ce que j'en pense, considérant l'histoire de ma petite madame qui s'était faite revirer de bord. Puis en dehors du fait qu'il y a peut-être un manque d'éducation pour permettre aux policiers d'intervenir proprement quand quelqu'un arrive avec ce genre de plainte-là, il n'y a juste pas de ressources, en fait. Il y a une semaine, en fait, Patrick Lagacé a sorti un article sur, justement, une jeune femme qui est victime d'harcèlement criminel en ligne, puis, justement, sur le manque d'aide qu'elle a. Puis, tu sais, justement, les chiffres là, qui étaient nommés dans l'article, c'est qu'à la SQ, il y a environ 60 enquêteurs en cyber, puis une douzaine au SPVM. Bref, il n'y en a pas assez. C'est sûr que la quantité de gens qui se font frauder en ligne, harceler en ligne, attaquer en ligne, etc., etc., il n'y a pas assez d'individus en place avec les connaissances techniques pour intervenir. On se rend compte également, en parlant aux gens, que les agents policiers ne sont même pas au courant des fois qu'ils ont une escouade cyber non plus. Fait qu'il y a définitivement un manque à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les solutions?
parce que Sam et moi, on ne peut pas maintenir ça à deux personnes non plus. On a besoin d'aide. Il y a plein de ressources, c'est sûr, aussi, qui existent en dehors de la cybertechnologie. Entre autres, je vous ai parlé de mon expérience avec les journalistes. En France, il y a un site qui s'appelle Nothing to Hide, qui aide les journalistes à sécuriser et à avoir une vie privée en ligne contre les menaces étatiques. Ironiquement, ça se traduit quand même bien dans une situation de violence conjugale. C'est à peu près les mêmes méthodes d'attaque. Fait qu'on peut référer à ce genre de ressources-là. Il y a Citizen Labs qui ont sorti des choses, des articles intéressants à ce sujet-là. Ils s'intéressent aux logiciels d'espionnage étatique, oui, mais également les logiciels grand public. Il y a les différentes cliniques de cybercriminalité qui vont outiller les gens. Mais encore une fois, ils n'ont pas nécessairement non plus assez de gens techniques pour aider. Donc, généralement, ça se retrouve des fois avec nous. Puis, bien entendu, l'organisme Repartir, qui est le regroupement d'avocats, justement, avec qui on travaille, qui sont spécialisés en violence conjugale. Ils ont besoin d'aide au niveau techno, c'est sûr, mais c'est eux, en fait, principalement, qui vont aider les gens là, à sécuriser leur compte puis à se protéger dans ces situations-là. Fait, les besoins, c'est quoi précisément? Juste pour récapituler, on a besoin des meilleurs outils. Je vous ai parlé de faire des scans, etc. Le CETA avait un outil super génial sur GitHub, en fait, qui permettait de faire des scans pour trouver des logiciels d'espionnage. Malheureusement, l'outil n'a pas été mis à jour depuis 7 ans. Bref, il ne marche plus. Ça serait un beau projet pour quelqu'un qui aimerait mettre à jour un outil qui permettrait aux gens de sécuriser plus leur téléphone. On a besoin des meilleurs processus, des meilleurs cadres d'intervention. Les refuges sont débordés. SOS Violence et Overwhelm quand ça tombe dans la technologie. Pareil pour les différents groupes qui interviennent, les refuges. On peut aider à fournir ce genre d'outils-là en tant qu'expert en cybersécurité. Fait qu'il nous faut des experts, il nous faut des militants, il nous faut des volontaires, il nous faut de l'argent, parce que ça ne coûte pas rien faire ces choses-là. Fait que, je sais que j'ai-tu comme un 30 secondes de plus juste pour conclure? Parfait, cool. Je conclue un peu sur une note philosophique. Justement, j'en ai parlé brièvement. Il y a une normalisation de la surveillance qu'on observe en ce moment. Tu sais, quand je parle de vie privée, les gens sont comme, on est traqués partout, tout le temps. Les jeunes se font dire que c'est normal de surveiller leur partenaire amoureux pour vérifier justement s'ils trompent ou pas. Puis c'est quelque chose qu'on devrait définitivement, sur lequel on devrait intervenir en tant que communauté, que justement, c'est pas normal, puis c'est important de maintenir sa vie privée. Je termine sur une dernière note de l'ami que je vous avais mentionné, que ce n'est pas son chum qui avait des connaissances techniques, c'était son ami. C'est quelqu'un qui est dans notre communauté, je ne vais pas dire non, bien entendu, mais c'est quelqu'un que je sais que cette personne-là n'aurait jamais, jamais aidé de plein gré cette personne-là à espionner sa conjointe. Il s'est fait poser une question théorique, puis ça lui faisait plaisir de parler d'un sujet qui le passionne, puis sans le savoir, il s'est retrouvé à informer quelqu'un de comment espionner, puis faire de la violence, en fait, envers son ex-conjointe. Il faut porter attention à ce genre de choses-là. Si jamais vous avez un chum là, qui vous dit genre, « Ah, tu sais, en théorie, mettons que je voudrais faire ça. » Je sais que c'est le fun de faire comme, « Ah, tu peux faire ça, il y a telle chose qui existe, c'est cool. » C'est de la techno, c'est comme un film d'espionnage. Mais, tu sais, il faut regarder des fois, c'est pourquoi. Pourquoi la personne demande ça? Pareillement, si vous êtes dans cette situation, vous, où est-ce que vous êtes tenté de peut-être consulter la dernière conversation Facebook, parce qu'il me semble que votre blonde a souri drôlement en regardant son téléphone, puis comme « been there », donc on a tous eu ces feelings-là à un certain point. L'affaire, c'est que quelqu'un qui n'est pas technique a plus de résistance. Il faut qu'il google comment faire, il faut qu'il regarde. On travaille en sécurité, on sait probablement comment le faire, puis ces outils-là sont extrêmement accessibles. Il n'y a pas grand-chose pour nous arrêter dans notre petite pensée intrusive. Regardez vos propres pensées. Des fois, faites attention si jamais c'est avec les grands pouvoirs, les grandes responsabilités. Soyez pas ce genre de personne-là. T'sais, faites attention, il y a des ressources qui existent pour ça, des supports qui peuvent exister. Parlez-en à vos amis si vous avez besoin justement de vous faire dire que ben non, on le relaxe, il ne se passe rien, c'est correct. Puis, portez attention justement aux gens autour de vous si vous voyez quelqu'un dans la communauté qui justement abuse de ses connaissances techniques pour espionner quelqu'un. T'sais, intervenez, soyez pas la personne qui reste en silence. Merci. Je suis disponible pour des questions. Si vous voulez suivre CyberSoyer, on est sur Twitter, même si Elon Musk a tout gâché. Mastodon également, Facebook. Pareillement, je suis sur Twitter avec 4DG si vous voulez me suivre personnellement. Merci beaucoup pour votre écoute, puis merci d'être venu à ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Non, en fait, quand les gens nous écrivent, tu sais, en fait, dernièrement, on a fait une intervention à GIA sur des gens qui s'étaient fait frauder, d'un côté des fraudes d'investissement, puis l'autre une fraude de fausses pilules en ligne. Tu sais, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui nous écrivent de « Ah, je me suis fait voler mon identité, je me suis fait frauder ». Fait qu'on intervient aussi là-dessus, des fois, là, de comment, tu sais, fournir vers les ressources, quoi faire, quoi sécuriser. Des fois, c'est juste, il y a quelqu'un qui s'est connecté à mon compte, je ne sais pas c'est qui. Fait qu'on, notre mission, c'est la cybersécurité générale. Ça se donne juste que c'est un truc qui a pris beaucoup de place dernièrement dans, dans nos activités. Mais on intervient sur d'autres choses. L'outil du CETA est open source, oui. Si tu vas, la façon la plus simple, c'est d'aller sur le site de CETA, ressources, outils, puis le lien, il est là, ils le mettent. C'est la façon la plus rapide de le faire. Cool! Je vois rien, fait que s'il y a quelqu'un d'autre. All right. Non? Parfait. Je reste disponible si jamais, mais merci beaucoup!